Donc vous n'êtes plus jamais retourné au large depuis longtemps, là? Ah non, j'ai pas voulu. Fini. Par rapport au docteur, le docteur m'a dit, non ben, t'es trop braveux. Arrête d'aller au large là-bas pour passer une semaine là. Il n'y a pas de docteur, là. Ben, j'ai dit, m'a collé un hélicoptère, puis il m'a monté dans le corps. Il dit, tu es capable de monter dans le corps encore? J'ai dit oui. Ah oui? J'ai pas voulu aller. Les cartons n'avaient pas porté. Ah oui, des fois, pour une crise de cœur. Maigrir des pouces. Parce que, gars, avant, il était serré, puis gars. Ah, mais c'est quoi ça? La retraite. Ça, c'est moi qui mets le chaud, qui m'a le fini. J'étais venu à manger dans la cage, le perron, là. Mon petit chaud, là. Il m'a poigné le doigt. Je fais votre côté, ça, moi. C'est fou ce que vous avez fait là-dedans? Ah oui, c'est mon poussé quand je joue. C'est ça que ça a ouvert, là. Moi, ça a ouvert, ben oui. Là, ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'est arrivé depuis vous, mais n'arrivez-vous plus que ça, monsieur. C'était très beau, madame. Oui. Ça m'a fait plaisir de vous voir pareil. Ah, on est l'été, là. Ouais, j'ai l'été, vous prendre de l'air. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé sur la mer? Eh, hey, monsieur. Ah. Ben, 10 ans, 20 ans, 5 non, ans? Non, ça fait pas 20 ans. 5. 8 ans, mettons, 8-9 ans. Ah, oui, pas plus que ça. C'était terrible pour eux. Ça doit vous manquer? Sur la mer, à pas une place que j'allais pas. Ils ont dit qu'ils vont se perdre, non. J'avais la Sainte-Bière tout le temps. J'ai dit ça à Sainte-Bière, je suis même. En tout cas, Jean-Guy, mon beau Jean-Guy, je t'oublierai jamais. Parce que tu sais quoi, hein? Oui. M'a t'appelé. C'est une pointe. Non, mais dans le fond, j'aimerais me délivrer de ça, tu sais. Je ne veux pas mourir avec ça. Mais les dettes, ça me fait. Comme ça, j'ai le temps. Voilà. Viens voir mon beau Jean-Guy. Faut que tu arrives ça, slow, dans les grosses bailles. Pour pas qu'il te fasse. Ah oui. Alors vous allez avec le courant, avec Fais attention ça, moi. J'ai un gros bravo. J'avais peur à terre, mais j'avais pas peur au large. Des vagues, je l'ai vu. Quatre bretons, l'île Anticosti. J'ai tout fait ça. À Massachusetts, le gros chanteur qui est là. Vignon. Ah oui? Oui! 5 ans, 1 an pour frapper l'île Anticosti. Il y a du poisson. Oui. Je vous ai vu dans le documentaire qui était fait. L'eau salée. Oui. L'eau salée. Je l'ai vu. Ah oui, puis l'autre jour. Parce que là, je me suis dit, c'est l'Internet, c'est pas de gars. On s'est vu sur l'Internet l'autre jour. Allez, tu pêchais là. Tu prenais un crédit l'hiver. Quand la pêche pour prendre le printemps, tu pêches tout l'été pour payer ton pain. En faveur du grand bon Dieu. Ah oui, mon Dieu, oui. De quelle façon ton enfant? C'est quoi votre nom de famille? Moi, je suis Denise Francal. Denise Francal. De Gaspésie. Moi, de Gaspésie. C'est Rivière-Nord, mais on fait partie de Gaspé. On est tous ensemble. C'est comme une ville, on va dire. Surtout Gaspé, c'est une belle petite ville. Mais on fait partie de la ville de Gaspé. Et votre mari est aussi de Gaspésie. Mon mari, on est tous de Gaspésie. Vous l'avez, oui. L'avez rencontré, ça fait combien de temps? J'ai rencontré mon mari. Oh mon Dieu, je me suis mariée en 1945. J'ai rencontré mon mari à une soirée d'une prière à l'église. Mais là, cette année? Non. Mauvaise année, hein? Oh, quelle année! Ah. Un qui disait crevette, un qui est gros drayeur. Cassé. Le gouvernement fédéral, il a cassé ça. Ah, il y a du monde qui va avoir de la misère, tu vois. Certains. Ben de la misère. Les garçons comme les autres, chez nous. Ouais. Là, mon père, j'arrive chez nous. Il dit, c'est le gars qui était avec toi? Les parents avant étaient sévères. J'avais 14 ans. Il dit, c'est le gars qui était avec toi? J'ai dit, ben. Il est assez beau, gentil, fin. Oui, oui. Ah oui, ça va être très fin. Lui dit, garçon, pis ça, j'ai dit, monsieur Liozan. Et j'ai dit, t'as beau toucher toujours, t'as beau poigner. J'ai dit, non, pas du voyant. Je sais me conduire, j'ai 14 ans, mais je sais me conduire. Je sais ce que c'est, la vie du monde. Je l'ai invité pour venir de m'asseoir, tu vas le connaître pas. Il dit, si tu es bon sang, tu vas entrer un gossette.
J'écoute pas, j'ai 14 ans. Puis je veux rencontrer ce gars-là. Si je rencontre pas ce gars-là demain soir, tu me verras jamais d'autre. Et tes garçons continuent à faire de la pêche? Oui, ils continuent à faire de la pêche. Ils ont arrêté le commandement de l'arrêter. Ils ont fait 4 semaines de pêche. Beau! Hein. Pas assez pour les temps. Pas assez de chômage? Pas de chômage. Pas assez de chômage. C'est ça. À 15 ans, j'avais 15 ans et demi. Là, ils ont demandé la main à mon père pour me marier. Mon père dit oui, il dit, m'appelait ça. J'étais courageux. Moi, je travaillais pas. J'ai tombé enceinte. À 15 ans et demi, j'étais enceinte. Puis à 16 ans, mon mari a manqué de se noyer au large. Il a été à la chasse où je vis. Là. On mangeait ça, et on faisait rôtir ça, on mangeait ça avec des patates. Puis il a manqué de se noyer, puis c'est un monsieur Samuel qui l'a emmené dans ses bras. Ben toi, mon Dieu de Saint-Pierre, un homme, un gros homme qui arrivait qui m'a descendu dans ses bras. C'est gelé, là. Là, j'ai trop peur pour geler. Mon linge était gelé. Il m'a pris dans ses bras, démis. Il m'a descendu direct, toi, maintenant. Jamais connaissant. Ils ont coupé le linge. Ils vous ont sauvé. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus au large d'eux. Une semaine après, t'as la vie là. Vous faites attention à vous autres. Un petit déjeuner. Bonjour, monsieur Dan. Un plaisir. Un homme fort. Il est fort. Il est fort. Un homme fort. Pas difficile. Pas difficile. Il y a du poignard. Bon, non, je ne sais pas. Non. C'est les gagnés du Cap-Alègue. Cap-Alègue. Notre père, c'est Cap-Alègue. Il y a du poignard.
Cap-Alec, puis Trévière-Saint-François, Baie-Saint-Paul. Une bonne jambe. Ouais. 66 ans. 65 ans de oh, d'union. Ah oui, il en profite. Oui. Et je peux dire que je l'ai soigné quand il était malade. Ah oui, ah oui, on se prend soin les deux. Quand je suis malade, il m'aide quand il est. Oh ouais. C'est de même que ça marche. Oh, quand je suis malade, c'est lui. Pas de moment, je vous fais un coup. C'est ça un coup. Puis il mange tant qu'il veut. Pas de moment. Je fais à manger une tarte. Je n'achète pas de restaurant. Je n'achète pas de manger de restaurant. Je fais à mon manger moi-même. C'est pas de mon manger. Ah, Jean-Guy, je fais à mon manger. Pas de moment, là, hein, pardon? Pas l'avoir. Ah oui. J'ai mangé pour dîner. Oh, qu'elle est main prête. Oui, oui, c'est pour ça que je vais me réchauffer. Vous allez mourir. Non, 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 non. Non. J'ai le cœur chaud. Non, non, le cœur est chaud, par exemple. Mettez-vous, vous allez y aller. Non, non, mais c'est ça. Non, non, ça va passer. Ça arrive. Quand on va savoir. Ah, je ne veux pas que je vous fasse de promesses, par exemple, non. Mais je vais essayer. C'est bien, votre grande cuisine, bien éclairée, le soleil tout le temps là. J'avais des beaux cheveux, beaucoup de cheveux. Ah mon Dieu, des tiroulous, toutes les couleurs, je n'avais pas. Des beaux cheveux. J'ai trouvé ça pour mettre. Alors, on laisse. C'est l'été, non, ben. Ben, vous jouez à la chanson du Québec, Roméo et Juliette, aimez-vous ça? Oui. On n'est pas capable d'en tuer. C'est l'hiver qui s'en vient qui est plus dur. J'avais pleuré même. C'est ça. On va voir une belle cabane chaude. Avec l'électricité qui me met de quoi dedans. Mon Dieu, là. Mon Dieu.